Salut tout le monde, c'est FireLarm SC29. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo récupération du jour. Donc en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu du nouveau matériel SC que j'ai eu de la part de mon TSC Stephen. Donc je vais vous les montrer. Alors c'est parti. Donc, en premier, cette sirène-là, vous la connaissez tous. Donc c'est une Bussin de chez Finsecure. Avec l'étiquette originelle, elle de norme NF. Donc j'en avais déjà une comme ça, sauf que elle est un peu plus ancienne. Celle-ci a l'étiquette de norme NF et l'autre elle l'a pas. Mais sinon ça reste une très bonne sirène, mais par contre elle sonne assez fort. Hein. Parce qu'en 960 watts ça sonne assez fort ce genre de sirène. Donc une petite sirène de chez Finsecure pour commencer. Ensuite, celui-là, vous le connaissez aussi. Donc c'est un diffuseur lumineux de chez Def. Donc je vais l'ouvrir pour voir la référence. Alors non, il n'est pas rouge. Ouais. Radiance BCW. Donc c'est un blanc. Voilà. Contrairement à celui-ci qui est rouge. Une grande différence une grande différence de référence. Voilà. Mais c'est exactement les mêmes. C'est juste que celui-ci il est rouge et l'autre est blanc. Mais je ferai une présentation prochainement. Bon, ne vous inquiétez pas, même si j'ai déjà présenté cette version-là en rouge. On va voir la date de fabrication. Donc il est de 2013. Qui est assez récent quand même. Ça, c'est ce genre de. Donc ça a été fabriqué par CECI DFTT 2000. C'est comme la version rouge. Et enfin, le dernier truc. Donc, je vous montre le meilleur pour la fin. Alors, c'est une centrale que j'ai jamais eu en collection. Bon, et c'est la première fois que j'en ai une. Attention. Elle est assez lourde quand même. Donc, vous êtes prêts? Donc, je vous la montre dans 3, 2, 1. Ouais. Petite UTC pack de chez Chubb. Voilà. Avec l'étiquette de norme NF, c'est Messi. Je ferai une vidéo présentation complète. Voilà, ça sortira peut-être pas tout de suite, mais je ferai très prochainement une présentation dessus. Voilà, franchement, je suis bluffé. Première fois que j'ai une type 2 en collection. Voilà, ça change un peu des types 1. Ça change un peu des types 1. Donc voilà. Donc voici ma petite récupération du jour. Donc je remercie encore une fois mon TSC Stéphane qui m'a filé tout ce matériel. Donc voilà, on attend des nouvelles vidéos. Oh, et j'espère qu'elles vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça me fera vraiment plaisir. À vous abonner si ce n'est pas fait. À la partager également. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!